Alléluia. Nous allons lire deux textes. Hébreux chapitre 1, verset 1er. Vous savez, l'Église, c'est quelque chose de précis et de précieux. Est-ce que vous me suivez? Nous n'avons pas toujours compris ce qu'est l'Église. L'Église, c'est le corps du Seigneur. N'est-ce pas? Le corps est la machine la plus précieuse qui soit, la plus précise. Chaque membre joue un rôle précis. Rien ne se fait au hasard. Ce n'est pas par hasard que le nez se trouve ici, que les oreilles se trouvent là-bas. Les ongles ont une importance. Vous m'entendez? Les poils, les sourcils, les paupières, rien ne se fait au hasard. Et dans le vécu de l'Église, il y a plusieurs sortes de réunions. Je le sentais dans mon cœur, mais il fallait que je m'expose devant un esprit de juste plus parfait que moi. Vous comprenez de quoi nous parlons? Jusqu'il y a 4 ans, j'étais dans une formation des pasteurs. Il y avait 5000 pasteurs. Et le pasteur responsable de cette formation, celui que Dieu avait oint pour réunir tous ces pasteurs venus du monde entier pour nous former, a commencé à nous montrer quelques secrets pour que Dieu utilise, agisse dans l'Église d'une manière puissante. Et le plus grand secret que j'ai reçu ce jour-là, sur lequel il a insisté, c'est qu'il dit, dans l'Église, il y a plusieurs sortes de réunions. Vous m'entendez? On ne fait pas tout dans les mêmes réunions. Il y a des réunions où on vient juste pour s'asseoir, pour écouter l'enseignement, pour être sûr que nous sommes en train de recevoir et pour prendre des notes et aller revoir, méditer, réviser. Parce que c'est sur la base de ce qu'on comprend dans les Écritures que le Saint-Esprit va agir en nous et se servir de nous. Vous m'entendez? Ne minimisez pas des réunions où on vient simplement pour écouter la parole. Et à la fin, on dit amen. Un amen vraiment sincère, n'est-ce pas? Un amen conséquent. Parce que ce sont des réunions capitales. Après, il y a des réunions pratiques. C'est ce que nous essayons de faire. Parce que le diable a fait en sorte que nous puissions être tellement occupés pour ne pas avoir le temps que nous devons avoir pour la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est la base de toute chose. Dieu soutient toute chose comment? Par sa parole puissante. Dieu le Tout-Puissant est là. Et il veut te soutenir, il veut me soutenir. Il te donne, il me donne sa parole afin que je la reçoive, que je l'accepte, que je croie en cette parole. Et c'est à travers de cette parole que je reçois qu'il va me soutenir. C'est sur la base de la parole que le Saint-Esprit va agir en ma faveur et au travers de moi. S'il ne trouve pas la parole, s'il ne trouve pas la foi, il ne peut rien faire. Il va faire ce qu'il fait pour tout le monde, pour tous les humains. Mais s'il veut faire quelque chose de spécial pour toi, son enfant, il a besoin de trouver la foi dans ton cœur.
Et comme il sait tout ce qui va nous arriver demain, il nous donne aujourd'hui les bases dont nous avons besoin, sur lesquelles il va s'appuyer pour se glorifier dans notre vie. Alléluia. C'est très important, c'est très important. Vous savez, le succès dans la vie, c'est une affaire de durée. Quelques victoires ne font pas de toi un succès. Remporter quelques batailles ne te fait pas gagner la guerre. La vie est comme un marathon, ce n'est pas un sprint. C'est dans la durée qu'on reconnaît ceux qui ont vraiment eu confiance au Seigneur. Ceux qui ont vraiment honoré sa parole. Ceux qui ont vraiment cherché à dépendre de lui. C'est dans la durée. C'est dans l'endurance, dans la persévérance, dans la persistance. Quelques victoires, c'est bien. Remporter quelques batailles, c'est bien. Mais le plus important, c'est de gagner la guerre. Alléluia. C'est très important. Ça fait des années que je suis le Seigneur et que je le sais. J'ai vu des gens décoller très vite. Aujourd'hui, ils sont en dehors de la plaque. Certains même sont dans le monde. Celui qui m'a donné les premières leçons de la foi à l'église est dans le monde maintenant. Je vous dis, il est dans le monde. Il ne va même plus à l'église. Celui qui m'a donné les premières leçons de la foi dans l'église. Chez nous, on appelait ça des leçons d'affermissement. Il est dans le monde. Il est pire qu'un païen, il a divorcé. Ce n'est pas une fois pour toutes. Et si tu ne progresses pas, tu es en danger. Alléluia. Lisons deux textes. Hébreux chapitre 1, verset 1. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises, de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, à plusieurs reprises, de plusieurs manières. Dieu est en train de nous montrer à quel point sa parole est importante. Il a insisté, il a répété les mêmes choses. Il a changé de forme, il a changé de style, il a changé d'instrument, il a changé de serviteur. Plusieurs prophètes ont été sa bouche pour dire la même chose. Et le répéter, changeant de forme, mais gardant le même message, à plusieurs reprises, de plusieurs manières. C'est pour cela que nous avons les livres poétiques, les livres historiques. Nous avons des épîtres qui sont simplement des lettres. Nous avons des récits. Plusieurs manières, plusieurs reprises, le même message. Plusieurs instruments, le même message. Tellement c'est important au cœur de Dieu. Mais dans ces derniers temps, verset 2, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par... Il nous a parlé par le Fils, Christ lui-même. Il est plus qu'un messager. Il est le message incarné. Il est plus qu'un prophète. Il est celui qui a envoyé les prophètes. Les prophètes disaient, « Ainsi parle l'Éternel. » Lui, il ne pouvait pas parler comme ça. Il disait, en vérité, je vous le dis. Aucun prophète n'a dit « je ». Ils étaient des porte-paroles. Mais lui, il a osé dire « je vous le dis ». Il est la parole incarnée, la parole manifestée.
Il est celui devant qui tous les prophètes se prosternent. Il est plus qu'un message. Il est le messager, le message lui-même. C'est pour cela que sur la montagne de transfiguration, le Père a dit, « Celui-ci est mon Fils, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Vous voyez ça dans Matthieu 17. « Écoutez-le. » Alors que de part et d'autre, il y avait Moïse, il y avait Élie. Le Père dit « Écoutez-le, écoutez le Fils, écoutez Jésus. » C'est ce que nous essayons de faire, comme il a fait dans Luc 24, de montrer que du début à la fin de la Bible, il était, il est et il restera question de lui. Quand vous enlevez Christ du message de la Bible, ça n'a plus de valeur. C'est comme une maison sans fondation. Sa beauté ne compte plus. Elle n'a pas de force. À la première tempête, la maison va s'écrouler. Il est le rocher. Jésus est le rocher des âges. Il est celui sur qui nous devons bâtir nos vies. Il est celui que nous devons écouter. Êtes-vous prêt à l'écouter? Voici une parole qui nous dit ce soir. Marc chapitre 1. Marc chapitre 1. Nous allons lire le premier verset, puis les versets 14 et 15. Marc. Au verset 1er, il dit, « Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. » Il nous dit, ce qu'il nous dit là, ce n'est que le commencement. Ça ne fait que commencer. La bonne nouvelle, l'évangile c'est la bonne nouvelle, n'est-ce pas? Ne fait que commencer. Dieu a une quantité infinie de bonnes nouvelles à nous donner. Ça ne fait que commencer. Au verset 14, « Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant quoi ? L'évangile de Dieu, c'est-à-dire la bonne nouvelle de Dieu. Ou mieux, une bonne nouvelle venue de Dieu. Une bonne nouvelle de la part de Dieu. Une bonne nouvelle de la part de celui qui ne ment pas. Une bonne nouvelle de la part de celui qui est capable d'accomplir tout ce qu'il dit. Il ne parle pas seulement pour nous réjouir. Non, non, non. Il parle pour l'accomplir parce qu'il a la capacité d'accomplir tout ce que sa bouche déclare. Ce n'est pas une bonne nouvelle venue de n'importe qui. C'est une bonne nouvelle venue de Dieu. Alléluia. Jésus a commencé à prêcher l'évangile de Dieu. Et au verset 15, il disait, voici comment il prêchait l'évangile de Dieu. Il disait, « Le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Il est temps. Le règne de Dieu est là. Il est à notre portée, n'est-ce pas? Vous feriez mieux de le croire. Mais celui qui est la parole discerne un obstacle très important à la foi. C'est quoi? Cet obstacle, c'est quoi? Marc 1, 14, cet obstacle, c'est quoi? Vous ne voyez pas? Vous êtes venu à l'école ou pas? Répentez-vous et... Non? Verset 15. Répentez-vous et... Répentez-vous et croyez. Aussi simple qu'est cette phrase. C'est la chose la plus importante
à saisir pour aller loin. Pour consommer le maximum possible de cet évangile. Vous m'entendez? Il y a un obstacle à la foi pour croire l'évangile. L'obstacle, il y a un obstacle que le Seigneur discerne. Et pour résoudre ce problème, il nous conseille, il nous ordonne de nous repentir d'abord. Sans la repentance, il n'y a pas de foi. La vraie foi arrive quand il y a la repentance, la vraie repentance. Et si votre repentance est partielle, votre foi sera partielle. Et l'accès à la grâce qu'apporte cette bonne nouvelle sera aussi partiel. Est-ce que vous me suivez? Pour vivre 100% de ce que Christ nous apporte, il faut se repentir à 100%. Repentez-vous et croyez. Repentez-vous et croyez. Un prédicateur a démontré la puissance de Jésus-Christ dans une culture polythéiste. Dans cette culture-là, ils ont une centaine de divinités. Et un prédicateur de l'Évangile a démontré la puissance de Jésus-Christ en accomplissant un miracle en son nom. Et une des personnes qui était là, ayant été convaincue de la puissance de Jésus, a demandé à ce prédicateur de lui permettre d'ajouter Jésus à ses dieux. Du genre, s'il avait 300 dieux, Jésus va devenir son 301e dieu. Le prédicateur a dit jamais. Vous voyez, une telle personne va croire en Jésus sans se repentir. Et ce que nous ne comprenons pas, c'est que dans notre vie chrétienne, nous avons cru en Jésus en l'associant à beaucoup d'autres choses qui l'ont précédé avant qu'il ne vienne. Et cela dilue l'efficacité de l'évangile dans notre vie. Vous me suivez? Se repentir est donc une clé très, très, très importante. Parce que si tu n'as pas vécu ça, au début, on ne le saura pas. Vous m'entendez? Au début, on ne le saura pas. Mais avec le temps, certaines choses auxquelles tu n'avais pas renoncé vont se révéler. Mon ami, le chemin est long. Et notre adversaire, le diable, rôde comme un lion, cherchant qui il. Cela veut dire qu'il en dévorera certains. Je prie que personne ici ne soit dévoré un jour. Avec le temps, là où la repentance a été partielle, le chouïala, où la repentance n'a pas été totale, va devenir la cause du problème. Mes amis, c'est une réalité. Certains abandonneront la foi, d'autres commettront des scandales, d'autres s'égareront. C'est une réalité, ça ne date pas d'aujourd'hui.
et ça continuera. Pourquoi? Le Seigneur a dit, il est impossible que le scandale n'arrive. Mais, malheur, il a bien dit malheur à celui par qui cela arrive. Je ne veux pas être parmi celui-là. Je ne veux pas. Mais arrêtons-nous un peu. Arrêtons-nous un peu. Car cela est possible. Et aujourd'hui, cette parole a vraiment pesé lourdement dans mon cœur. Et elle est une sorte de réponse dans mes questionnements de toutes ces dernières semaines. Elle me dit, regarde dans ton cœur. Je ne parle pas des autres, hein? Je parle de moi-même. Doudou, regarde dans ton cœur. Regarde. Vous savez, nous avons un adversaire qui est tellement méchant. Il y a personne d'aussi méchant que le diable, vous le savez. Il est tellement méchant que parfois il prépare des vengeances tellement froides. C'est-à-dire qu'il peut te laisser tranquille sur ce terrain pendant 30 ans. Tranquille. Il est tellement méchant que cela lui donne de la patience. Mais celui qui a un cœur repentant ne tombera pas dans son piège. Ne tombera pas. Nous sommes dans notre message. Nous avons parlé déjà de deux choses. La conscience de notre réalité intérieure. La connaissance du Saint-Esprit, ainsi de suite. Mais j'y reviendrai parce que nous allons ouvrir un grand chapitre sur le Saint-Esprit. Je vous l'avais promis, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur la pratique de la vraie repentance. Et mercredi prochain, nous allons parler de la pratique du pouvoir créateur des Écritures. L'épée de l'Esprit, c'est la parole de Dieu. Éphésiens 6, 17. Mais cette parole-là, c'est Réma. L'épée de l'Esprit, ce n'est pas le Logos, mais le Réma de Dieu. C'est-à-dire la parole parlée, la parole déclarée. Mais ce soir, nous allons nous arrêter sur la pratique de la vraie repentance parce que la repentance est ce dont nous avons besoin pour avoir une foi totale dans l'évangile de Dieu. Alléluia. Nous en avons besoin. C'est quoi la repentance? C'est quoi la repentance? Quand Jésus est en train de dire « Repentez-vous », c'est quoi la repentance? C'est un mot qui n'est pas toujours bien traduit. Mais ce mot veut dire précisément, simplement, changer de pensée. La repentance, c'est un changement de pensée. Alléluia. Amen. Le mot repentance n'est pas un mot biblique. Vous comprenez? Métanoïa était pas utilisé par les Grecs avant que Jésus ne vienne. Repentance, se repentir, c'est simplement changer de pensée. Vous allez comprendre pourquoi Jésus insiste. Il dit, si vos pensées ne changent pas, vous ne croirez pas. Ou bien vous ne croirez pas comme Dieu veut que vous puissiez croire. Se repentir veut simplement dire changer de pensée. Mais ce n'est pas parce que je change de pensée que ce changement est approuvé de Dieu. N'est-ce pas? C'est pour cela que nous parlons maintenant de la vraie repentance. La vraie repentance est donc un changement de pensée en accord avec la parole de Dieu et le Saint-Esprit.
C'est-à-dire, je décide de reconnaître que je ne sais pas ce qui est bien ou mal. Vous me suivez? J'attends jusqu'à ce que le Saint-Esprit me dise dans les Écritures, voici ce qui est bien d'après Dieu, voici ce qui est mal d'après Dieu, et je m'examine, j'examine mes valeurs. Si cela n'est pas en accord avec les Écritures, alors je change ma manière de penser. Autrefois, je pensais que c'était bien, mais puisque la parole de Dieu dit que c'est mal, alors je décide de dire que c'est mal. Ah ouais, c'est très important parce que la notion du bien et du mal progresse quand on grandit, n'est-ce pas? C'est pas seulement la Bible. Quand tu as une année, ne pas s'habiller, ce n'est pas mal. N'est-ce pas? Mais quand tu as 21 ans, être comme ça, c'est mal. Oui ou non? C'est la même personne, mais avec le temps, l'échelle de valeur a changé. Ça progresse. Quand nous venons à Christ, il y a beaucoup, nous avons une idée de ce qui est mal. Nous avons une idée de ce qui est bien. Mais quand nous venons à Christ, c'est lui maintenant qui décide de ce qui est bien et qui est mal pour nous. Et nous l'appelons Seigneur. Et nous acceptons. Là, nous entrons dans la foi. Mais quand tu commences à grandir avec le Seigneur, je t'assure, les choses qu'il tolérait aujourd'hui, il ne les tolérera peut-être plus demain. Ne lui dis pas, il y a 10 ans, Seigneur, je priais comme ça et tu m'exaucais. Il te dira, avant ce n'était pas mal, maintenant c'est mal. Quand il y a une dimension de l'évangile, une plus grande dimension de l'évangile qui arrive, obligé de se repentir. Maintenant, si dans ta vie chrétienne, tu as toujours considéré la repentance comme arrêter de mentir, arrêter de tricher, arrêter de voler, c'est bien. Mais à un moment donné, tu peux ne plus mentir, voler, tricher, mais être en dehors de la plaque quand même. Et cette dimension plus grande de l'évangile, tu ne l'auras pas. La repentance est quelque chose de permanent. Tant qu'on sera sur terre, tant qu'on sera dans cette chair. Vous me suivez? C'est pour cela que nous devons grandir dans notre connaissance de la parole de Dieu. Nous devons grandir dans notre communion avec le Saint-Esprit. Parce que si tu n'apprends plus davantage avec les Écritures, le Saint-Esprit ne pourra plus te convaincre de pécher à un moment donné. Et tu seras satisfait de toi-même, satisfait de tes petites victoires. Vous voyez où se trouve notre problème? Est-ce que vous saisissez ce que je partage? Quelle est la dernière fois où tu as pleuré dans la présence de Dieu? Quelle est la dernière fois où tu t'es senti vraiment en dehors de la plaque? Est-ce pour les mêmes choses que tu faisais avant? Ce n'est pas de ça que je parle. Je te parle de te retrouver dans la présence de Dieu et d'être convaincu de péché pour un truc qui n'était pas un problème, qui n'a jamais été un problème pour toi. Mais ça, si tu n'as pas de vie avec les Écritures, tu ne le vivras pas. Par exemple, hier, notre texte de base était quoi? Jacques 4, 7.
Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Pour moi, ça a toujours été soumettez-vous à Dieu et résistez au diable, il fuira loin de vous. Vous voyez la différence? L'Écriture dit ceci, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira. Vous comprenez? Alors il fuira. Donc pour que le diable fuit, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se soumettre plus, lui résister. Mais si tu penses, soumettez-vous à Dieu et résistez au diable, il fuira. Tu ne comprends pas que si tu te soumets vraiment à Dieu et que tu ne résistes pas au diable, parfois il ne fuira pas. Mais tu regardes ta vie, tu dis, mais je ne suis conscient d'aucun péché. Ma soumission est bonne. Ma conscience ne me reproche rien. Le Saint-Esprit ne me convainc d'aucun péché. Pourquoi cette résistance est toujours là? Pourquoi le diable ne fuit pas? Parce que la petite chose que tu devais faire est te lever ce matin, dit, Satan, dehors. Tu ne le fais pas. Tu te contentes de te soumettre à Dieu, mais tu ne lui dis pas dehors. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il est là. Et Dieu est tellement intègre que parfois, il ne peut pas intervenir parce que Satan va lui dire, il est écrit. Mettez-vous à ma place. Quelle honte pour moi-même de dire, Seigneur, je suis pasteur depuis des années. Je ne savais pas ça. Donc, il ne s'agit pas de s'asseoir et d'imaginer qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce que Dieu approuve. Non. Ça ne passe pas avec notre tête. Surtout quand tu médites un verset que tu connais déjà, c'est là où tu es le plus en danger. Le verset qu'on connaît le plus, c'est le verset qui nous parle le moins. Tu te dis même, est-ce que j'ai besoin encore d'ouvrir la Bible? Mon ami, ouvre la Bible et lis Jean 3,16. Lis-le, ouvre et lis. Ça, c'est un exemple pour que vous compreniez. D'accord? C'est un exemple. Changer de pensée. Les versets que j'ai donnés là montrent comment en Ézéchiel 28 et en Ésaïe 14, je lis les références pour le CD. Ézéchiel 28, 14 à 17, Ésaïe 14, 12 à 15 nous montrent que cet astre brillant, ce chérubin protecteur, Lucifer, avant de devenir le diable et Satan, l'accusateur des frères, était un chérubin magnifique. Dans la présence de Dieu, il occupait un rang très élevé parmi les anges les plus élevés. Il a été chassé juste à cause d'une pensée, d'une idée qu'il a nourrie dans la sainte et glorieuse présence de Dieu. Une pensée. Le premier crime est venu d'une pensée. Dans Genèse 4, Dieu vient aider Caïn. Il lui dit, je vois le péché se couche à ta porte, mais toi, domine sur lui. Le gars a refusé. Il est compté parmi les criminels. Il aurait pu éviter ça. Vous rendez-vous compte que pour Dieu, c'est ça la différence dans la manière dont Dieu traite les humains et les anges. Lucifer a eu une mauvaise pensée. Il a été éjecté. Caïn a eu une mauvaise pensée. Dieu est venu l'avertir.
mes amis, aujourd'hui, j'avais envie de pleurer devant ma Bible. Vous savez, si Caïn avait écouté Dieu, Genèse chapitre 4 allait s'écrire autrement. Comment l'histoire d'une personne peut changer simplement en changeant une pensée? Vous m'entendez? Simplement en acceptant ou en rejetant une idée, ton histoire s'écrirait autrement. Mais vous savez que Dieu a déjà écrit notre histoire, n'est-ce pas? Dans son livre. Il a déjà écrit, n'est-ce pas? Justement, la repentance et cette clé de grâce que Dieu a prévue sur l'autoroute de notre vie. Quand on sort de l'autoroute, il vient avec la possibilité de la repentance pour que nous retrouvions le chemin. Afin que nous revenions dans l'histoire qu'il a écrite. Mais si nous refusons, nous écrirons notre propre histoire. Dieu savait qu'il était possible que l'homme soit trompé. Mais il a prévu la repentance pour que nous nous reconnections de nouveau avec l'Évangile. C'est extraordinaire. Extraordinaire. Regardez tout l'Évangile. Christ, connectez tous les bienfaits de l'Évangile avec la repentance. Vous allez voir qu'il n'y a pas un cadeau de Dieu dans lequel nous pouvons entrer sans repentance. Il n'y en a pas un seul. Il n'y en a pas un seul. Il n'y en a pas un seul. Proverbe 23, verset 7. Il dit, tel il est, telles sont les pensées de son âme. Proverbe 23, verset 7. Darby le traduit mieux. Et français courant, il dit, l'homme et tels sont les arrière-pensées de son âme. Vous me suivez? Les arrière-pensées que nous entretenons déterminent ce que nous sommes. Et si tu n'aimes pas qui tu es, change les pensées qui ont fait de toi ce que tu es. Si tu veux devenir ce que Dieu dit que tu es, accepte les pensées qu'il te propose dans les Écritures. Et combat le bon combat de la foi. Ne les rejette pas. Et avec le temps, tu vas finir par le manifester. Nos pensées déterminent qui nous sommes et ce que nous aurons. Nos pensées déterminent qui nous sommes et ce que nous aurons. Nos pensées déterminent notre identité et toute notre expérience de Christ. Je vais l'expliquer avec la parole de Dieu. Jésus dit dans Luc chapitre 4, verset 18, il dit ceci, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. » Prenons juste ce cas-là. Et ce que je veux faire, faites-le avec tous les autres aspects de l'onction dans Luc 4, 18. Mais prenons le tout premier cas. « Je suis un pauvre. » Et Jésus vient avec l'onction du Saint-Esprit pour m'annoncer à moi, un pauvre, la bonne nouvelle. Et qu'est-ce qu'un pauvre veut entendre? Hein?
qui sort de la pauvreté. Que Dieu a mis à sa disposition la richesse. Pauvre qui est ici, regarde, je te dis que Christ a été fait pauvre pour toi, afin que par ta pauvreté, tu sois enrichi. Et je te dis que Christ a déjà pourvu pour que tu ne sois plus pauvre. Et je te dis que tu ne dois plus rester pauvre. Tout de suite, ton cerveau commence à bouillonner. Comment je veux faire pour avoir plus d'argent que ce que j'ai tous les mois? Jésus n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit qu'il est venu te donner 1 million. Il n'a pas dit ça. Parce que tu peux continuer à être pauvre avec 1 million. Ce n'est pas en ayant plus d'argent que tu sors de la pauvreté. Mais c'est en recevant la bonne nouvelle. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que pour que tu croies ça, tu dois changer ton idée de la pauvreté. Simplement. Tu dois t'asseoir et te dire, Seigneur, qui est un pauvre d'après toi? Et quelle est la bonne nouvelle que tu m'apportes? Je vous l'ai dit le dimanche ou le mercredi, je ne sais plus. Jean 1, 51-52, Jésus dit, désormais vous verrez de plus grandes choses. Vous verrez des plus grandes choses. Désormais, vous verrez les cieux ouverts et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Donc, les plus grandes choses, il les a définies. Mais si tu ne changes pas ton idée des plus grandes choses, tu vas poursuivre une voiture. Alors que pour lui, ce n'est rien du tout. Parce que les païens ont des voitures. Ce n'est pas une grande chose, une voiture. Ce n'est pas une grande chose. Même un jet, ce n'est pas une grande chose. C'est un instrument de travail, un jet privé. Quand je veux commencer à prêcher partout, tout le temps, pour que je sois toujours ici le dimanche, il me faudrait un jet privé. Non? Tu es jaloux de moi ou quoi? Mais pour l'instant, je n'en ai pas besoin. Je vais garer ça où? Je n'en ai pas besoin pour l'instant. Vous riez, mais je suis sérieux pourtant. Regardez, tout le monde ici peut sortir de la pauvreté. Ça ne dépend pas du gouvernement. Ça ne dépend pas de ton entreprise. Ça ne dépend pas de ton salaire. Vous les connaissez, non? Ils ont eu beaucoup d'argent. Maintenant, ils n'en ont plus. Ce sont nos yeux qui voient maintenant, qui disent, il était riche, maintenant il est pauvre. Non, non, Dieu a toujours vu qu'il était pauvre. Je vous assure. Même quand il avait un compte rempli, il était pauvre. Si tu veux savoir qui est riche et qui est pauvre, regarde comment il utilise son argent. Un pauvre consomme, un riche investit. Il sème dans les vies des gens. Un riche enrichit, un pauvre s'appauvrit. C'est très simple. Mais la parole de Dieu ne nous pénètre pas parce qu'elle heurte avec des idées qui n'ont rien à voir avec ce que Dieu dit. C'est pour cela que tous les prophètes ont échoué. Vous m'entendez? Tous les prophètes ont échoué. Ceux qui ont été les plus téméraires, les gens les ont tués. C'est-à-dire, ils ont amené le message, les gens ont refusé d'écouter, lui a insisté, lui ont dit, bon, comme tu nous casses trop la tête, on va te tuer, comme ça on va être tranquille.
Mais Jésus savait aller au fond des choses. Il savait toucher au problème le plus profond. Écoutez-moi, nous sommes dans des temps difficiles. Nous sommes dans des temps difficiles, pas seulement dans le monde, mais dans l'Église. Certains, beaucoup de chrétiens vont être piégés. Beaucoup d'églises vont être piégées. Même des serviteurs de Dieu vont être piégés à cause simplement du manque de pratique de la vraie repentance. Le diable va les laisser avoir beaucoup de succès. Mais eux-mêmes seront en train de nourrir le poison dans leur âme. La seule manière d'échapper, c'est de suivre la parole de Dieu. De la suivre attentivement. De rester dans la présence du Saint-Esprit. Et d'être humble, de lui dire, qu'est-ce qui est bien aujourd'hui? Qu'est-ce qui est mal aujourd'hui? Montre-moi dans les Écritures comment toi, tu penses. Vous vous souvenez de cet arbre, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vous vous souvenez? Et à côté, et au centre, l'arbre de la vie. Mais Dieu lui a dit, le jour où tu mangeras de cet arbre, tu mourras. Pourquoi? Le jour où tu pourras juger par toi-même de ce qui est bien et mal, c'est là où ta fin commence. Le jour où tu deviens connaisseur de ce qui est bien et de ce qui est mal, ta fin a commencé. Il dit, contente-toi de vivre et laisse-moi décider de ce qui est bien ou mal pour toi. Toi, contente-toi de vivre. Consomme l'arbre de vie. Et laisse-moi chaque jour déterminer ce qui est bien ou mal pour toi. Ne deviens pas un connaisseur par toi-même. Ne deviens pas un connaisseur en dehors de moi. Parce qu'un jour, vous allez vous unir et voter une loi qui va paraître tellement juste à vos yeux, alors qu'elle est vraiment diabolique, animale. Contente-toi de vivre et consulte-moi tous les jours. Qu'est-ce qui est bien, Seigneur? Qu'est-ce qui est mal? Je ne suis pas un expert. Tu m'entends? Ne deviens pas un expert. Ne deviens même pas un expert de la Bible. Même pas. Ne devenez pas des experts de la louange, de l'intercession, de la prédication, de quoi que vous fassiez pour Dieu. Ne devenez jamais expert. Parce que ce qui avait marché hier ne marchera pas forcément aujourd'hui. Ce que Dieu t'avait demandé hier, il ne te le demandera pas forcément aujourd'hui. N'est-ce pas? Le Saint-Esprit, mes amis, regarde, Dieu dit à Abraham, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Va, offre-le, Isaac, offre-le en holocauste, sur une montagne que je t'indiquerai. Abraham s'est levé, il a pris le petit. 3 jours de marche, il a bien lié le petit. Quand il a levé la main, la voix dit, Abraham! Abraham, ne porte pas la main. Seigneur, n'es-tu pas le même qui m'avait dit ça? Oui, je te l'avais dit il y a 3 jours. Si Abraham était resté sur la parole d'il y a 3 jours, qu'est-ce qu'il ferait? Il tuerait Isaac au nom de l'Éternel. Est-ce que Dieu change d'avis? Non, il est Seigneur. C'est lui qui décide de ce qui était bien il y a 3 jours et de ce qui est bien aujourd'hui. Il est Seigneur. Il dit, mais il m'embrouille. Non, il ne t'embrouille pas. Il veut que tu sois dans l'obéissance. Il ne t'embrouille pas. Tu l'avais appelé ton Seigneur. Quand tu pilotes un avion, tu n'es pas comme en voiture. Hein? Tu ne vois pas devant. Devant, derrière, à gauche, à droite, c'est la même chose. Tu dépends du
de la tour, comment on appelle ça, de contrôle au sol. Vous ne vous voyez pas. Si ta radio est en panne, tu es foutu. Si tes récepteurs sont en panne, tu es foutu. La vie spirituelle, elle est comme ça. N'est-ce pas? Parce que dans le ciel, dans le vent, il n'y a pas de limite, n'est-ce pas? Ce n'est pas comme sur la terre où les chemins sont tracés, c'est étroit. Non, au ciel, c'est comme ça, c'est large, c'est spacieux. Mais si tu ne veux pas te perdre, garde la communication avec le Saint-Esprit. Marie vient et dit à Jésus, ils n'ont plus de vin. Jésus lui dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas venue. Marie s'en va. Faites ce qu'il vous dira. Et puis Jésus est venu, prenez ces vases, remplissez-les d'eau, allez donner au donateur du repas. Mais Seigneur, ton heure n'était pas venue. Oui, maintenant c'est venu. C'est venu. Il n'y a pas de raisonnement à faire. Il y a 5 minutes, ce n'était pas le moment. Il y a 5 minutes, c'est le moment. Non? Vous connaissez les pluies diluviennes. Ce sont des pluies brutales et brusques. Ça ne s'annonce pas. Brrr, ça tombe. Si la pluie peut venir comme ça, Dieu aussi peut faire venir la pluie spirituelle comme ça. Amen. Tu peux dormir pauvre et te réveiller riche. Amen. Tu peux dormir chômeur, tu te réveilles, amen. Embauché, amen. N'est-ce pas? Amen. N'avez-vous pas remarqué que nos vies basculent toujours en 24 heures? Regardez, si tu raisonnes mal, tu vas compter le temps, le nombre d'années où tu as entendu. Seigneur, ça fait 3 ans que je demande du travail, 3 ans que je demande du travail. Tu postules, on ne t'appelle pas. Et puis un jour, on t'appelle, entretien d'embauche. Tu commences quand? Au lieu de dire, alléluia, tu dis, Seigneur, tu aurais dû faire ça il y a 3 ans. Tu continues à compter la durée. Non, ta vie a basculé en 5 minutes par un entretien d'embauche. Quand tu entrais là-bas, tu étais chômeur. Quand tu sors, tu es boss. Non? Même une promotion. Regarde, il faut combien d'années pour qu'on t'annonce une promotion? Il faut combien de temps? Félicitations, monsieur. Nous venons de vous annoncer que vous occuperez le poste de directeur. Reçois-le, c'est pour toi. Ça prend combien de temps? C'est fini. Et quand tu sors, bonjour, monsieur le directeur. Tu dis, bon, c'est moi? C'est moi? Mais oui, ça a changé. Mais nous sommes en train de faire un cas pratique, n'est-ce pas? Du pauvre qui doit recevoir la bonne nouvelle. 2 Corinthiens 4:4 dit que le Dieu de ce siècle, vous entendez, le diable, a aveuglé l'intelligence des humains pour qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile. Vice là-bas, là, ce n'est pas le verbe visser, c'est le verbe voir au subjonctif. Donc, lis-la en français courant. Regardez, le diable n'a aucun pouvoir de changer l'évangile. Mais il peut tout faire pour que les humains ne voient pas l'évangile briller de toute sa splendeur. Donc quand Jésus vient dire à toi, pauvre, voici la bonne nouvelle, le diable va travailler pour que tu ne vois pas cette bonne nouvelle dans toute sa beauté. Ça, c'est ce qu'il fait aux gens de ce monde. Mais il n'ose pas faire ça. Il ne peut pas faire ça aux chrétiens. Mais aux chrétiens, il procède autrement. 2 Corinthiens 10, 3 à 5. Ça, c'est là où le diable peut travailler contre toi et moi.
travers nos pensées. 2 Corinthiens 10, 3 à 5. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser quoi? Des forteresses. Donc on s'arrête là, on se demande, quelles sont ces forteresses? Verset 5. Nous renversons quoi? Les raisonnements. Si tu prends les armes d'Éphésiens 6, ça ne marchera pas ici. Parce qu'il n'y a aucune domination, aucune principauté, aucun esprit méchant. La domination, la principauté, l'esprit méchant, c'est toi-même. Ce sont les raisonnements que tu entretiens, contre lesquels bute la bonne nouvelle. Satan n'est pas là. Mais Satan a précédé ça. Comme je ne cesse de vous le dire depuis le séminaire de Pâques, avant d'être en Christ, le diable bousille nos raisonnements. Il empoisonne notre mentalité, notre système de pensée. Parce qu'il sait que légalement, quand quelqu'un est en Christ, elle est une nouvelle création spirituellement. Dieu ne change pas son âme, mais Dieu lui donne la parole pour qu'il renouvelle son intelligence avec. C'est seulement le moteur qui a changé. Et il te donne tout ce qu'il faut pour changer l'épave. Alors le diable investit la première chose, vous savez en guerre qu'est-ce qui se passe? Quand une armée conquiert un territoire, qu'est-ce qu'ils font? La première chose, ils hissent le drapeau, ils sécurisent les frontières, ils prennent possession de l'aéroport et de toutes les entrées importantes, et ils vont prendre la télévision et la radio, n'est-ce pas? La communication. Alors ils commencent à envoyer des messages. Envoyer le message. C'est ce que le diable fait. Quand on vient sur terre, il a déjà organisé le monde de telle sorte que nous soyons bombardés par des pensées qui sont contraires à l'évangile du royaume. Écoutez-moi, je veux vous dire, la bonne nouvelle en ça, c'est quoi? C'est que le diable est le premier à être convaincu que ça va changer. Oui, oui. Regarde, le diable est le premier. Peut-être que tu n'as jamais entendu ça, alors ou redouble d'attention. Le diable est le premier à être convaincu qu'un jour Jésus va venir te délivrer. Il sait ça. Il sait que son règne n'est pas éternel. Il le sait. Il ne veut pas que les gens le sachent. Il le sait. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Pensant aux mauvais jours, ces mauvais jours à lui, il investit. Pour qu'un système continue à fonctionner, même quand il n'est plus là. Et quand ça fonctionne, ce n'est vraiment pas lui. Vous comprenez? La toile d'araignée qui a attrapé les sept a été conçue par l'araignée. Mais ce n'est pas l'araignée qui l'a attaqué. L'araignée est ailleurs en train de faire d'autres toiles. D'accord? Regardez, l'insecte qui est attaché par la toile, s'il commence à bombarder l'araignée, je bombarde, j'envoie un fusil à l'araignée au nom de Jésus, j'envoie un missile à l'araignée au nom de Jésus, j'envoie du feu, je crache du feu à l'araignée. L'araignée va être consumée, oui, mais est-ce qu'il va sortir? Il va sortir? Qu'est-ce qu'il doit plutôt faire? Il doit trouver un moyen de sortir de la toile, de détruire la toile et de se promener dans tous les coins des maisons pour défaire l'étoile jusqu'à attraper l'araignée. C'est ça que je fais. Je suis en train de défaire la toile dans vos pensées. Parce que je n'ai pas besoin d'attraper le diable. Jésus l'a déjà fait.
Mais moi, j'ai juste un balai en train de nettoyer tous les coins de vos murs là. Tu sais, dans un coin de ta tête, il y a une toile. Mais tu ne le sais pas toujours. C'est en vivant avec la parole de Dieu tous les jours que chaque jour le Saint-Esprit va allumer une torche. Tu vois, il y a une toile là. Dépoussière. Avance. Il y a une toile là. Dépoussière. Avance. C'est tellement simple. Et quand tu fais ça, l'évangile te pénètre de manière plus profonde. Et la réalité de la bonne nouvelle commence à se manifester. Je vous promets, essayez ça, essayez ça. Je te dis déjà d'avance que ça marchera. Il y a 15 ans, j'étais au fond du trou, socialement parlant. Et un compatriote, par amour, vous savez, par amour, mais c'est sa définition d'amour, est venu, il m'a dit, mais tu sais, Doudou, tu es au Maroc, toi, tu as l'avantage d'avoir une carte de séjour. Parce que même si on falsifie, on met un faux visa, vous savez, c'est à cause d'eux là qu'il y a des passeports biométriques. À l'époque, les passeports n'étaient pas biométriques. Ils étaient suffisamment rusés pour décoller un vrai visa. Dans le passeport de quelqu'un qui a le droit de visa, il a fourni tous les documents. Quand on est arrivé ici au Maroc, il y avait des gens, c'était leur commerce. Il a les moyens pour être crédible, pour obtenir un visa. Qu'est-ce qu'il fait? Il va à l'ambassade, on lui donne un vrai visa qui coûte 300 dirhams et il va le vendre à 15 000 dirhams à quelqu'un qui veut aller clandestinement en Europe. Mais il butait à quelque chose parce que ils maîtrisaient les choses pour faire ça. Mais il fallait avoir un titre de séjour. Donc, il y a des étudiants ici qui louaient leur carte de séjour. Vous voyez, aujourd'hui, là, c'est très difficile. Quand tu perds tes papiers, tu dois faire des déclarations. Et puis, parfois, tu as perdu tes papiers, mais tu vois que les policiers sont durs avec toi. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui faisaient... Ils vendent sa carte de séjour pour que l'autre puisse voyager en se passant, en disant qu'il était lui. Et lui, il attend une semaine avant de faire la déclaration de perte. Quand l'autre arrive là-bas, il lui dit, c'est bon, ça marche. Alors, il se lève, il va à la police. Menteur. Alors, un compatriote, par amour, il m'aimait tellement qu'il est venu me voir. Il a dit, Doudou, tu es un garçon sérieux. Dieu ne va pas t'abandonner. Mais... même Dieu lui-même dit, aide-toi, le ciel t'aide. Non, on m'a dit ça à moi. Ils disent pas, il est écrit, parce que tu vas lui dire, c'est écrit où? Il dit, tu pries, c'est bien, mais tu sais, aide-toi, le ciel t'aidera. J'ai ri dans mon cœur, parce que ça ne servait à rien. Je savais déjà que ce n'était pas écrit. Et il m'a dit que lui va payer un faux visa pour moi, pourvu que j'accepte. Quelle gentillesse, quelle bonté. Et ma bouche a parlé. Je vous dis, hein, c'est ma bouche qui a parlé, ce n'est pas moi. Je n'avais pas prémédité cette réponse. J'ai entendu ma bouche dire. Je vous assure, pendant que j'étais en train de raisonner, ma bouche a pris les devants et ma bouche a dit, c'est une occasion de voir si l'évangile est vrai. Est-ce que l'évangile est vrai? 15 ans plus tard, est-ce que l'évangile est vrai? Oui. Oui. Aujourd'hui, c'est lui qui doit m'envier. Gloire à Jésus. Qu'est-ce que le diable cherchait? À vous voler un pasteur, c'est tout. Parce que quelqu'un pense ici, non, si tu avais fait ça, ça n'allait pas marcher. Qui t'a dit que ça n'allait pas marcher? Qui t'a dit que quand une porte se ferme, c'est que ça ne vient pas de Dieu? Ou bien quand elle s'ouvre, c'est que ça vient de Dieu? Qui vous a dit ça?
Qui vous a dit ça? Ça ne marche pas comme ça. Dieu n'est pas un concierge qui ferme et qui ouvre des portes. Ça ne marche pas comme ça. Il n'est pas ton concierge. Il a déjà parlé. Il a déjà révélé sa volonté là. Tu sais que c'est écrit. Il ne faut pas te dire, ah, je vais me lancer, Seigneur, si ce n'est pas ta volonté, ferme la porte. Il dit, comment ça? Je vais l'ouvrir, oui. Ça ne marche pas comme ça. La vie chrétienne, ce n'est pas la loterie. Vous voulez savoir pourquoi il n'est pas bon un chrétien de faire la loterie? C'est juste pour ça. Dieu, écoute, si tu es le propriétaire de l'univers, tu vas livrer la vie de ton enfant au hasard? Au hasard? Est-ce que vous savez ce qu'il y a derrière la loterie? Derrière la loterie, il y a le mensonge. Le loto, on dit 1 million. Le jackpot, cette année, c'est 1 million. Mais si vous êtes 100 à gagner, vous allez diviser ça par 100. Les gens de la loterie ne perdent jamais. Ils vont gagner 10 millions, ils vont donner 1 million à celui qui... En fait, c'est une stratégie de voler le peuple organisée par l'État. Même la green card, ça sert à ça. Pardon, hein, mais c'est la loterie. Pardon. C'est la loterie. On va faire tourner quelque chose. Et là, toi, il y a un genre de prier, Seigneur, si c'est toi, fais que ça marche. Et un enfant de Dieu, change de pensée. Amen. Tu arrives là-bas, tu vas faire tous les sales boulots qu'ils ne veulent pas donner à l'heure. Ils vont faire semblant de te dire que bon, ton diplôme n'est pas reconnu. Mais au fond, ils rient. Ils cherchaient de la main-d'œuvre. Il faut qu'on se le dise, ce genre de choses. Vous m'entendez? Tu ne mourras pas là où tu es. Est-ce qu'il y a des riches dans ton pays? Alors, l'Afrique est sous-développée, l'Afrique est pauvre. Qui vous a dit ça? Change de pensée. Qui t'a dit que l'Afrique est pauvre? Qui t'a dit ça? C'est toi qui ne sais pas comment prendre ta part du gâteau. C'est tout. Regardez, j'aime la parole de Dieu parce que, vous savez, quand Dieu appelle quelque chose une forteresse, quand il appelle quelque chose une montagne, vous, avant de chasser la montagne, hein, respecte-la d'abord. D'accord? Écoutez, El Elyon, le Dieu très haut, appelle quelque chose. Quand tu es en haut là-bas, une montagne est un point. Non? Quand tu es en haut, un géant est un nain. Donc quand Dieu parle de montagne, quand il parle de forteresse, avant d'abord de combattre ça, respecte ça d'abord. Parce qu'on combat des choses dont on ne comprend même pas encore. L'ampleur. Pour Dieu, un raisonnement est une forteresse. Pour le Tout-Puissant, un raisonnement est une forteresse. À cause de quoi? À cause du don du libre arbitre. Vous m'entendez? Le plus précieux don que Dieu nous ait donné, c'est le libre arbitre. Il nous a créés psychologiquement libres pour que nous fassions ce que nous voulons. Mais il nous présente sa volonté pour notre bien. Et il attend que nous l'acceptions. Écoutez-moi et soulignez ça et que plus jamais vous trompe. Dieu veut qu'on l'obéisse par amour. Pas par obligation. Que plus jamais personne ne t'oblige de faire quoi que ce soit. C'est par amour, par amour. Par amour.
Des simples choses comme ça, je ne comprends pas. Des simples choses. Pour le Seigneur en toi, d'accord? Un raisonnement est une forteresse. Vous connaissez 1 Jean 4:4? Vous connaissez 1 Jean 4:4? 1 Jean 4:4 dit quoi? Celui qui est en nous est plus grand que qui? Il parle du monde extérieur. Mais il ne parle pas de ton monde intérieur. Il est en toi. Et il regarde ta volonté comme une forteresse. Jusqu'à ce que tu choisisses de lui faire confiance. Et ta foi l'élève au-dessus de cette forteresse. Vous comprenez? Il veut tellement nous bénir, mais il dit, répands-toi d'abord et crois à mon message. Si tu ne te répands pas, ta foi va être une fausse foi. Ça va être une foi faible. Ça va être une foi fragile. Une foi inefficace. Parce que quand le diable voudra s'opposer à toi, il va simplement encourager ce raisonnement. D'accord? Tu as grandi en te disant que la tempête, ça tue les gens. Hein? La tempête, ça tue les gens. Jésus te dit, viens, suis-moi sur l'eau. Tu as cru, Pierre, n'est-ce pas? Tu as commencé à marcher, mais tu n'as pas changé d'idée par rapport au vent et à la tempête. Qu'est-ce que le diable fait? Il ne peut rien contre Jésus. Il ne peut rien contre toi. Mais il peut agiter le vent. Alors, il agite. Et voyant le vent contraire, Pierre a eu peur et il a commencé à s'enfoncer en présence du Seigneur. En plein culte de louange, d'adoration et de surnaturel, il est en train de sombrer. Ce que vous savez, parfois en plein temps d'onction, il y a des gens qui sombrent. Ils sombrent vraiment. Quand les gens commencent à tomber, il dit, oh, c'est un peu bizarre. Quand les gens commencent à parler en langue, shababababa, il dit, mais c'est quoi ça? Tu es en train de sombrer. Parce qu'on t'a dit que quand il y a la présence de Dieu, tout est toujours calme, lisse. Qui vous a dit ça? Oh non, il faut toujours bien parler. Qui vous a dit ça? Si nous croyons et que nous ne changeons pas de pensée, le diable sait quand nous arrêter. Il sait comment arrêter nos succès. Il sait ça. Est-ce que vous me suivez encore? Je parle encore aux pauvres. Galates 3, 13, 14 nous dit que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. D'accord? Affiche ça. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Étant devenu malédiction pour nous. Donc, si tu viens d'une famille où ton père est pauvre, ton grand-père est pauvre, ton arrière-grand-père est pauvre, et tu vois, un prédicateur vient te dire, il y a une malédiction sur la famille. Moi, je dis, alléluia. Quand je connais Galates 3:13, je dis, alléluia. Je dis, pasteur, tu as vu juste. Parce que c'est là précisément où j'ai besoin de Christ. Vous me suivez? C'est pas toujours faux, hein? Vous savez, il y a des gens, vous pouvez, lui, il peut faire 1 plus 1, ça donne 3.
Toi, tu fais 1 plus 1, ça donne 2. Il y a des gens, on comprend, il peut se battre comme il veut, il n'y a jamais de résultat. Il n'y a pas de résultat. Parce qu'il y a une malédiction. La malédiction est une réalité. Ne jouez pas avec ça. Il y a des gens, tu peux lui parler comme tu veux, le conseiller comme tu veux. Il finira toujours par faire le mauvais choix. Et il va venir, il va pleurer, il va regretter. Il va te dire, je ne sais pas ce qu'il m'a pris. Il ne sait vraiment pas ce qu'il a pris. Il y a des gens, il n'est pas en Christ, mais tu vois qu'il comprend certaines choses. Quand tu lui dis que ça plus ça, ça mène au danger, il n'est pas chrétien, hein? Mais il sait s'ajuster. Pourquoi? Il n'a pas le Saint-Esprit pourtant. Quand il fait 1 plus 1, ça donne 2. Est-ce que le diable est son ami? Non. Par contre, quand la malédiction est là, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est là où les faux pasteurs trompent les gens. Quand la malédiction est là, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais justement, si la malédiction est là, j'ai besoin de Christ. Si je n'étais pas maudit, Galates 3:13 n'est pas à moi. Je comprends maintenant qu'à la croix, il a été maudit à ma place. Mais il n'est pas resté à la croix. Vous savez ça? Qu'est-ce qui te reste? C'est de croire. Mais après, il faut changer d'idée. Verset 14. Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus. Le Saint-Esprit, on y reviendra quand le moment de parler du Saint-Esprit va venir. Mais parfois, on se cache. On cache notre incrédulité derrière ça. Écoute, si tu as cru en Galates 3, 13, 14, ce que je veux dire maintenant, si tu ne l'as jamais fait, sois honnête, tu n'as jamais cru. Si tu as cru ça, qu'est-ce que tu dois faire? Tu es obligé d'ouvrir Genèse 12, 1. Obligé. Obligé. Si tu as cru, tu comprends? Est-ce que tu me comprends? Est-ce que je vous parle? Si tu as cru Galates 3, si tu penses avoir cru Galates 3, 13, 14, et que tu n'es jamais allé réclamer Genèse 12, tu n'as pas cru. Vous me suivez? On ne s'amuse pas, hein? Il doit nous prouver que ce qu'il dit est vrai. Et le Saint-Esprit, croyez-moi, le Saint-Esprit n'attend que ça. Il n'attend que nous croyions la parole simplement, que nous pratiquions, que nous répondions à la prière, que nous agissions par la foi. C'est tout ce qu'il attend. La puissance lui appartient. Si tu as cru Galates 3, 13, 14 et que tu n'es pas allé voir Genèse 12, tu n'as pas cru. Tu penses avoir cru, mais en réalité, tu n'as pas cru. Pourquoi? Parce que la vraie foi va exiger de toi la repentance. Genèse 12, hein, vous allez voir. Faisons ça, vous allez voir. Là où la repentance intervient. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Première chose. Vous me suivez? S'il te dit quitte. Comprenez, il te dit quitte cette relation. Quitte. Si tu as cru, tu auras un problème avec celui qui veut te faire du bien.
il y a toujours quelque chose qui va couper. Pourquoi? Parce que le diable s'appuie sur cette chose pour faire durer la malédiction. Écoutez-moi, il y a toujours quelque chose que tout le monde doit quitter. Jésus n'a pas prêché la repentance à certains. C'est à tous. Ne faites pas d'application littérale ici. Hein? Non, non. Abraham avait un attachement avec la maison de son père. Bon, vous ne le savez pas, je vais vous le montrer. Acte 7. Pardon, reviens d'abord dans Genèse 11. Verset 31. Térakh prit Abraham, son fils, et Lot, fils d'Haran, fils de son fils. Donc Lot était son petit-fils, n'est-ce pas? C'est en cela qu'il est le neveu d'Abraham, fils du frère d'Abraham. C'est clair? Et Sarai, sa belle-fille. L'acteur principal ici, c'est Térakh, le papa d'Abraham. Il a pris Abraham, il a pris Lot, il a pris Sarah, la femme d'Abraham, mais c'est la décision de Térakh, n'est-ce pas? Ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour aller où? Au pays de Canaan. Oh Seigneur! Térakh prend Abraham, sa femme, et Lot, son petit-fils, il les prend, il quitte leur pays, Ur en Chaldée, pour aller à Canaan. Térakh dit, on va aller à Canaan. Mais, entre Ur et Canaan, il y a Charan. Ils s'arrêtent là et ils y habitèrent. C'est-à-dire qu'ils ont renoncé à la destination. Ils ont renoncé. Décision de Térakh, père d'Abraham. Par contre, verset 32, les jours de Térakh furent de 205 ans. Et Térakh mourut où? À Charan. Quand Dieu dit, maudit soit celui qui se confie en l'homme. Voilà, Térakh, leur leader, est mort. C'est lui qui avait pris l'initiative. On quitte Ur. On va en Canaan. Ah, c'est bien un Canaan. Mais ils n'arrivent pas. Ils arrivent à Charan. Quelque chose intéresse Térakh. Il dit, on reste ici. Abraham obéit. Et un jour, Térakh meurt. Acte chapitre 7. Je ne connais pas le verset, hein? Donc je cherche avec vous. Parce que le Seigneur me parle pendant que je vous parle. Mais si je n'avais pas l'écriture dans mon esprit, il ne peut pas me parler. Vous comprenez? Les paroles de connaissance, ce n'est pas le corbeau et le renard. Non, là, je suis en train de parler en connaissance. Je suis en train de vous montrer comment les dons spirituels fonctionnent. D'accord? Le plus grand maçon du monde ne peut rien si tu n'as pas de ciment, si tu n'as pas de briques. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Stocke les briques, stocke du ciment, stocke du matériau. Et lui, quand il va venir, il va construire une belle maison pour toi. Pourquoi je vais dans Acte 7? Parce que je sais que un diacre, vous m'entendez les diacres? Un diacre a fait un enseignement magistral. Un diacre! Il a résumé l'histoire. Un diacre, Étienne. Et je sais dans mon esprit que dans son récit, il y avait Abraham. Donc on va chercher. Tu as trouvé déjà, maman? Verset 2 déjà.
Étienne répondit, « Homme, frère, père, écoutez, le Dieu de gloire, vous comprenez, apparu à Térak. » Il a paru à qui? À Abraham, lorsqu'il était en Mésopotamie, avant qu'il s'établisse à Charan. Oh, c'est Térak qui s'était établi à Charan. Avant qu'ils arrivent là-bas, Dieu lui avait parlé. Il lui dit, quitte ton pays, ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Il sortit. Regardez comment le Seigneur raconte ça. Le Seigneur ne trouve pas le prétexte de Térak. Il part d'Abraham, il dit, il sortit alors du pays des Chaldéens et s'établit à Charan. Donc ça veut dire, Genèse 12, 1, c'est la deuxième fois où Dieu lui dit de quitter. C'est la deuxième fois. Quand il était en Mésopotamie, avant d'aller à Charan, Dieu a parlé à Abraham. Abraham est allé dire, papa, le Dieu de gloire m'est apparu. Ce n'est pas des imaginations. Ici, de l'autre côté du fleuve, nous adorons les idoles, papa. Mais j'ai eu l'apparition du Dieu de gloire. Il m'a dit d'aller à Canaan. Térak prend la vision, il achète la vision. Térak dit, bon, prends Sarai, prends aussi Lot. Pourquoi Abraham n'a pas lâché Lot? Vous savez, quand tu fais une promesse à un mort, vous connaissez des gens comme ça, non? Ça chauffe, il dit, mais mon père, avant de mourir, je lui avais promis. Je suis en train de parler à quelqu'un. Je suis en train de libérer quelqu'un d'une malédiction comme ça. Il a fait une promesse à un parent mort. Ce n'était pas inspiré de Dieu. Tu comprends? Je suis en train de parler avec connaissance. Il a fallu un incident. Il ne lui restait à Dieu qu'un incident pour séparer Abraham de Lot. Il avait besoin des faits. Tu comprends? Pour que Abraham, dans sa conscience, il se dise, « Père, toi qui es dans le pays des morts là-bas, tu vois, je ne peux plus continuer à tenir ma promesse. Parce que regarde Lot, ce qu'il fait avec ses serviteurs et les miens. » Donc, il lui a fallu une raison, un prétexte. Dieu n'a pas parlé à Térak. Dieu a parlé à Abraham. Mais Abraham est soumis à Térak plus qu'à Dieu. Vous savez que je ne prêche pas la désobéissance aux parents. Écoutez-moi. Quelqu'un d'autre ne pourra jamais t'emmener où Dieu veut que tu ailles. Parce que quand il n'a pas entendu ce que tu as entendu, il n'aura pas la foi que tu es censé avoir. Quand certaines choses vont se présenter, il ne pourra pas résister. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la foi pour lutter pour. Pourquoi il n'a pas cette foi? Parce qu'il n'a pas entendu Christ lui parler. On ne fabrique pas la foi. La foi vient de ce que Christ nous dit personnellement. Quand je regarde en arrière dans ma vie, je vous le dis plusieurs fois, si on me ramène en arrière, dans les mêmes problèmes, je ne suis pas sûr que je ferai les choix que j'ai fait. Pourtant, j'ai vu que ça a marché. Parfois, je me demande, je dis, mais qu'est-ce qui m'avait pris? Rien du tout. La parole m'a porté dans la fournaise. Alors que j'étais inconstant, instable. Je n'avais aucun mérite. Mais dans cette fournaise, la parole que j'avais reçue, elle m'a porté. C'est elle qui m'a porté. Il n'y a aucun mérite dedans. Si ce n'est d'avoir cru au départ. Alors, quelles sont les idées qu'on vous a données dans votre culture sur l'obéissance aux autorités, sur l'obéissance aux parents? L'obéissance aux parents, aux autorités, s'arrête là où l'obéissance à Dieu commence. Personne, écoutez-moi, n'a le droit de te demander de t'opposer à ce que Dieu te dit. Personne. Personne. Vous m'entendez?
Mais si tu es dans une situation comme ça, viens écouter le conseil des esprits de justes plus parfaits que toi. Les frères qui sont plus mûrs vont vous donner des paroles de sagesse pour que vous teniez ferme sans manquer de respect aux autorités. Mais vous restez ferme. Parfois, c'est l'immaturité qui complique les choses. Si papa dit, je veux que tu fasses ça. En fait, quelle est l'intention de papa? Papa, il veut ton bien. Un bon père, un parent normal, même s'il n'est pas chrétien, hein, il veut le bien de son enfant. Mais il peut se tromper. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Donne d'abord le respect. Et le Seigneur va te donner une parole de sagesse pour montrer à papa que tu apprécies son amour, mais que Dieu a une autre direction pour toi. Il ne va pas te combattre. Dans la plupart des cas, tu n'auras plus de combat. Dans la plupart, mais parfois, il y a l'entêtement de l'homme, l'orgueil de l'homme. Alors quand il arrive là-bas, Dieu s'élèvera lui-même pour trancher. Vous comprenez? Abraham a cru la première fois, mais il ne s'est pas repenti. Résultat de cause, il n'est pas arrivé. Ils se sont établis à Charan. Combien de temps? On ne sait pas. Vous imaginez dans le cœur de cet homme, il sait que c'est là-bas qu'il doit être. Mais tu peux être heureux comme ça? Tu peux être heureux? Tu sais très bien que la volonté de Dieu, c'est ça. Mais tu te compromets. Tu sais très bien que la volonté de Dieu, c'est là-bas. Toi, tu te compromets ici. Tu le sais. Toi, tu le sais. Cette personne, elle ne le sait pas. Elle n'est pas en Christ. Mais toi, tu le sais. Qui est le plus malheureux dans cette affaire? Jusqu'à ce que Térakh meure. Et Abraham a expérimenté la parole de Jérémie avant que Jérémie ne le dise. Des siècles plus tard. Maudit soit celui qui se confie en l'homme dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle. Mais béni soit celui qui se confie en l'Éternel. Térakh est mort, mais l'Éternel est vivant. Et Dieu est tellement bon, il revient encore. Il dit, Abraham, quitte ton pays. Mais réfléchissez, Abraham n'est plus dans son pays. Ta patrie, la maison. Mais non, Seigneur, Abraham n'est plus là-bas. Si, si. Son pays est resté dans son cœur. Parce qu'il ne s'était pas repenti. S'il s'était repenti, il n'allait pas rester là. Même s'il a changé de territoire, son pays est resté dans son cœur. La maison de son. Dieu est en train de le délivrer. Vous comprenez ça? Vous entendez ça? Dieu est en train de faire sa cure d'âme. Voilà, c'est Dieu lui-même qui fait ça. Et Dieu ne cite pas Térakh, hein? Parce que tu as dit, oh Seigneur, moi je voulais bien, mais c'est mon père. Dieu ne cite pas Térakh, parce que en fait, si tu es resté là-bas, ce n'est pas à cause de ton père. Quelque part, tu avais un intérêt. Parce que là-bas, il y avait un risque, mais la couverture de papa te mettait dans un certain confort. Tu n'accuseras jamais personne, hein, si ça ne marche pas dans ta vie. Personne ne se tiendra devant Dieu et lui dira, c'était à cause de mon frère, à cause de ma mère, à cause de mon père. Personne, vous entendez, personne. Parce que devant Dieu, tu sauras que tu avais un intérêt. Et les autres n'étaient qu'un prétexte. 6 ans, je refusais de répondre à l'appel. 6 ans, je mettais toujours mon père devant. Parce qu'il ne voulait pas. Oui, il ne voulait pas. Mais ça m'arrangeait. Ça m'arrangeait. J'avais d'autres projets. Ah, mais tous les jours, Seigneur, tu as dit, honore ton père et ta mère, touche-le toi-même. 6 ans! Et papa m'a envoyé au Maroc. Papa, hein? Bravo! J'arrive 3 mois seulement. Il a tout perdu, 3 mois. Tout! Il avait toujours l'amour, mais il n'avait plus de flosse. Là,
En fait, le terrain était vide. Parce que pourquoi est-ce qu'il va me dire de continuer mes études s'il ne paye pas? Normalement, j'allais dire, le moment est venu, alléluia. Non. C'est là où la vérité est sortie. Vous voyez, je vous parle de moi. Hein? Vous n'avez pas besoin de repentance. Moi, j'en ai besoin tous les jours. Je vous parle de moi. La vérité. Le Seigneur m'attendait au tournant. Luc 14. Si quelqu'un n'est pas prêt à haïr son père, sa mère, la maison de sa mère, et s'il n'est pas prêt à haïr sa propre vie, le Saint-Esprit m'attendait là au coin. À la fin, il m'a dit, lis jusqu'au bout. Tu t'arrêtes toujours à ton père. Non, lis jusqu'au bout. Sa propre vie, ce jour-là, boum, dans mon cœur, il dit, ça a jamais, le problème n'a jamais été ton père. C'était toi-même. Tu aimais ta propre vie. Tu vois? Tu voulais un jour te tenir devant les gens et dire, je suis ingénieur. Je suis professeur d'université. Maintenant, aujourd'hui, je vous tiens devant vous. Je n'ai aucun diplôme. Et pourtant, vous m'écoutez. Vous écoutez un gars qui n'a pas de diplôme. J'en ai pas honte. Alors là, j'ai reçu la force de croire. Vous comprenez? L'obstacle qui m'empêchait de croire a été ôté. Mais Dieu a été patient envers moi. Est-ce que le Seigneur vous parle? Ne joue pas, hein? Écoute-moi, ne joue pas avec ça. Il dit, mais comment tu en es arrivé à la repentance ici? C'est très simple, nous allons continuer. C'est très simple. La différence entre Saül, Adam et David, c'était rien que ça, la repentance. Rien que ça. Comment est-ce que Dieu a créé l'homme pour la domination? Adam a perdu la domination. Il est venu essayer à Saül, il lui a donné, Saül a perdu. Il est venu essayer de donner à David. Et David dit le psaume 8, il retrouve, je vous l'ai dit, non? Je vous l'ai dit à maintes reprises. David retrouve la position de Genèse 1. Dans le psaume 8, il dit, mais qui est l'homme pour que tu te souviennes de lui, pour que tu prennes garde à lui? Tu lui as donné la domination, tu l'as fait de peu inférieur. David, David, toi là, tu parles de toi, avec tout ce qu'on sait de toi. Il dit, mais j'ai un secret. À chaque fois que la faiblesse de la chair essayait de me sortir de l'autoroute de sa volonté, j'avais une clé qui me ramenait. C'est la repentance. Regardez, Adam a péché. Dieu est venu. Dieu est venu. Pourquoi? C'était une main tendue. Une main tendue. Mais Adam ne l'a pas saisi. Il dit, as-tu mangé du fruit dont je t'avais défendu de manger, Adam? Mais il dit oui, pardon Seigneur. Il dit non, c'est la femme qui... Eh! Vous comprenez? Il se justifie. Au lieu de reconnaître sa faute. Regarde, Saül désobéit. Dieu envoie son prophète. Écoutez, Saül dit, j'ai péché contre l'Éternel, mais honore-moi devant le peuple. Eh! Donc l'honneur de Dieu pour toi, ça ne compte pas. Mais David, à deux reprises, il dit, j'ai péché devant l'Éternel. Point. Point. Mais il a fait quelque chose de grave, David. Il a tué son militaire. Il a pris sa femme. Meurtre avec préméditation. Il est resté la conscience tranquille jusqu'à ce que l'enfant meure. 9 mois de grossesse, plus accouchement, plus combien de temps? Dieu est resté silencieux. Quand l'enfant est mort, même le prophète ne savait pas. La parole est venue à Nathan. Nathan est venu parler à David. David a dit, j'ai péché. Point. Point. C'est pour ça qu'il a pu dire à la fin, tu lui as donné la domination. Tu veux retrouver la domination? Mais la clé est là.
Je t'assure. Arrête de te justifier. Arrête de reporter à demain la décision que tu dois prendre aujourd'hui. À la fin de sa vie, la dernière séquence de la vie de David, 2 Samuel 24, il commet un péché. Automatiquement, il sent son cœur battre. Dieu envoie un autre prophète, Gad. Même chose. Dieu lui propose 3 fléaux. 7 ans de famine, être en fuite derrière ses ennemis, ou 3 jours de peste. Écoutez David, il choisit aucune des 3. Il dit, il vaut mieux tomber entre les mains de l'Éternel. Il connaît sa miséricorde. 7 ans de famine, je ne sais pas si j'en sortirai. Fuir derrière mes ennemis, mais s'ils m'attrapent, ils ne me laisseront pas. Mais Dieu, Dieu est mon papa. Il va me frapper, je pleure. Il me dit, va dans la chambre, tu ne manges pas aujourd'hui. Il est où il te dit, je te dis, aujourd'hui tu ne mangeras pas jusqu'à demain. À 13h, c'est lui qui m'appelle. Et puis il te dit, mais tu sais, quand je fais ça, c'est pour que. Allez, mange. Et il te fait un bisou. Il faut le connaître. Ne reste pas loin, ça ne sert à rien. Viens, reconnais. Et crois. Tu m'entends? Tu m'entends? Quand tu lis maintenant Genèse 12, 1, parce qu'il m'a dit de le dire, quand il dit la bénédiction d'Abraham, et il dit maintenant, j'ai parlé de quitter, non? Il dit, je rendrai ton nom grand. Est-ce que tu es concerné? Regarde, affiche ça. Tout le monde doit voir ça. La malédiction n'est plus là, mais tu n'arrives pas à accepter la bénédiction. C'est ça le problème. Tu m'entends? Genèse 12, mon ami. Ta manière d'afficher montre si tu comprends. Verset 2. Christ a enlevé la malédiction de la loi afin que je reçoive la bénédiction d'Abraham. Et je dis Amen! 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 Je suis un fils d'Abraham. J'ai la bénédiction d'Abraham. Il dit calme-toi. On va voir ça. Je ferai de toi une grande nation. Tu es prêt à accepter ça? Hein? Tu dis, ah non, ça c'est pour les grands ministres. Non. 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 Vous voyez? C'est à prendre. Si tu crois, tu peux prendre ça. Alléluia. Mais tu vas voir, il y a des raisonnements qui vont, ils vont surgir. Une grande nation, non. Une bonne famille, ça suffit. Mais oui, pas vrai? Mais oui. Ça réjaillit comme ça tout de suite. Il faut qu'on se le dise. Parce que je suis fatigué des slogans dans l'église. Fatigué. Tu peux devenir une grande nation. Samsung est devenu une grande nation. Samsung, la marque Samsung. Danone. Vous savez, souvent j'aime marcher. Parfois je sors très tôt pour prier en marchant. Parfois à 6 heures, tu vois les livreurs des épiceries à 6 heures. Ils déposent. Toujours, quand je vois ça, le Saint-Esprit me parle. Toujours, tu vois, ils déposent. Vous savez, ça se fait dans le monde entier, presque dans le monde entier. Combien de pots de yaourt ils déposent dans toutes les rues? Pas au nom de Jésus. Un homme arrive à faire ça sans le Saint-Esprit. Donc ça veut dire que ce n'est pas très difficile. Oui, il n'y a pas d'amen. Ce n'est pas très difficile. Danone, Orange, compagnie de télécommunications, dans le monde entier, Orange. Sans le Saint-Esprit, c'est pas normal.
C'est pas normal. Coca-Cola. Il y a un pasteur qui, un jour, il était en train de prier. Et le Saint-Esprit lui a parlé. Le Saint-Esprit lui a dit, est-ce que dans ton pays, tu peux faire 5 minutes sans voir un coca? Il a essayé, il a vu que non. Alors le Seigneur lui a dit, je veux que tu mettes une église toutes les 5 minutes. Aujourd'hui, on le critique. Mais c'est notre problème. Lui, il a obéi. Il a l'église la plus grande au monde. Je lisais un article dernièrement. Il a demandé à ses églises de ne lui donner que 1 million de dollars par an. Il a dit, limiter ça, là, va limiter. Regarde, si tu es pasteur de 500 millions de membres, si chaque membre donne 1 dollar par an, la caisse de l'église contient 500 millions de dollars par an. Et il a demandé à toutes ces églises, il leur a dit, pardon, limité à 1 million. Et l'église n'est pas contente. J'ai dit, waouh! Un autre pasteur, le jour de son anniversaire, communiqué, pardon, arrêtez de m'envoyer des voitures. Il en avait déjà reçu 80, le jour même. Communiquer les annonces, hein? Frère Jack fait l'annonce ici. Est-ce qu'on est dans le même monde? Mais oui. Mais regarde, si le Saint-Esprit te dit, je veux que tu implantes une église toutes les 5 minutes, tout de suite, les pensées vont surgir. Est-ce que c'est important? À quoi ça sert? Quoi ça sert? Donc lui, il est insensé. Tu es plus intelligent que lui. C'est sérieux, hein? Très peu sont de croyants ici. Très peu. Vous me connaissez, non? Je ne flatte jamais. Très peu. 3%. Je l'ai vu. 3% ici sont des croyants. Mais leur problème, c'est quoi? Votre problème, c'est quoi? C'est pas que vous ne voulez pas croire. Mais vous ne savez pas vous repentir. Vous n'avez pas appris à changer de pensée. Christ a enlevé la malédiction sur ma vie, alors je deviendrai une grande nation. Parce qu'il m'a béni, il rendra mon nom grand. Et je deviendrai une source de bénédiction. Ceux qui me béniront vont se rendre compte à quel point ils seront bénis. Ils vont commencer à me poursuivre. Accepte, s'il te plaît. Parce que j'accepte ça. Ceux qui me maudiront, je n'ai pas besoin de me fâcher. Je n'ai pas besoin de leur envoyer du feu. Ils seront maudits. Mais ils seront maudits, hein, c'est écrit. Mais je ne les maudirai pas. Mais ils seront maudits. Et toutes les familles de la terre seront bénies en moi. Il y a déjà une 20aine de nationalités. Est-ce que ça a été difficile pour Dieu de le faire? Non. Est-ce que je t'ai cherché? Non. Dans ma chambre, j'ai cru. Et tu es venu. Tu m'entends? Répentez-vous et croyez, s'il vous plaît. Répentez-vous et croyez. Répentez-vous et croyez, s'il vous plaît. Répentez-vous, je vous en prie. Abandonne tout raisonnement qui s'oppose à la bonne nouvelle que le Seigneur te donne. Abandonne, abandonne, abandonne. Abandonne, abandonne. Alléluia. Abandonne. Alors commence à dire au Seigneur que tu abandonnes.